Le quatrain numéro 70 de Nostradamus est certainement un des quatrains les plus précis qu'il ait pu écrire. J'en ai eu quelques-uns entre mes mains, que j'ai publiés, d'autres que je n'ai pas publiés, mais celui-ci est extrêmement précis et en plus correspond à notre période. Il y a à peu près 6 mois, j'ai publié une vidéo, le quatrain 39, qui nous parlait de l'Iran. À l'époque, l'Iran était en paix, il n'y avait pas d'histoire chez eux. Et entre-temps, une révolte a commencé à se former en Iran, avec des répressions de toutes sortes. Ceci pour vous montrer que Nostradamus prédit des choses qui se produisent. Et ce que je vous dis, malheureusement, va se produire. Alors prévoyez, soyez prévoyants, c'est ça qui est important. Dans ce quatrain 70 de la 5e centurie, Nostradamus nous dit que au sommet de la terre, c'est-à-dire le rond nord, vous aurez des troubles contre le rouble. Le rouble représente la Russie. Ceux-là ont le blé. Effectivement, la Russie a le pouvoir d'interdire l'exportation de blé comme elle peut l'autoriser. Et Nostradamus dit qu'il faut gérer la grande année de guerre. Il voit certainement une énorme guerre se produire dans le monde, c'est-à-dire une guerre mondiale. Ça sera à nous de prévoir ces mauvais moments qui vont arriver. Pour le refuge, vous pouvez nous rejoindre, deux places se libèrent. Car je n'ai pas été assez clair dans les vidéos, on doit tous participer à la mise en boîte, c'est-à-dire acheter de la nourriture, même 50 kilos, des pâtes, du blé. Le sachet de blé de 25 kilos doit coûter 13 euros. Des lentilles sèches, du riz, des haricots secs, tous les mois ou tous les 2 mois, peu importe. Il faut acheter cette année avant que les prix s'envolent et qu'on puisse continuer à mettre en boîte. Pour la mise en boîte, c'est nous qui le faisons car nous n'avons qu'une machine. C'est l'essentiel. Mettre des vêtements également de côté, si on peut, des couvertures. Et tout le monde doit participer à ça. Malheureusement, je me suis mal expliqué, les personnes ont pris ça pour un lieu de villégiature pour venir en vacances ou à une maison de retraite. Et malheureusement, c'est pas ça. Le but, c'est de prévoir l'imprévisible, prévoir ce qui va arriver. Nostradamus est assez clair sur ce qui nous attend. Donc, il reste quelques places, il y a des places qui se libèrent. Si vous avez l'intention de nous rejoindre, n'hésitez pas. En ayant ces bonnes attitudes, on pourra faire quelque chose de bien. Avec mon fidèle ami David, nous avons de notre côté mis un stock assez intéressant de nourriture. Mais nous ne pourrons pas nourrir tout le monde malheureusement. Nous avons des vêtements de côté également. Nous essayons de trier toutes les tailles. Nous devons donc nous préparer. Je remercie au passage Jean-Luc, Benjamin, Vincent et Bernard de Béziers qui tous les mois participent à l'achat de nourriture. Je vous remercie infiniment tous les quatre. Sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me joindre. N'hésitez pas. Voici maintenant le quatrain 70 de la centurie numéro 5. Des régions subjectes à la balance feront troubler les monts par grande guerre, captifs tout sexe d'eux et tout Byzance, qu'on criera à l'aube terre à terre. Voici la première ligne du quatrain 70. Voici la révélation. De Dieu seront contenus ces usages d'expression qui ont été rétrécis. L'air des mots a été régi. Il gît sous les yeux et prendront naissance dans cet essai. Il faut savoir le subir. Je connais tes thèses. Les usages d'expression seront ça. Ces sales notes sont assez bien balancées. Vous aurez par ces notes les années et connaître l'aide de Dieu. Par ces usages qui ont été régis, afin d'obtenir les sujets. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous connaîtrez les scènes de haine. Elles sont contenues dans ces notes. Tu as assez bien ces actes. Tes thèses seront connues. Ce sera ça. Ce sera la certitude. Ces notes ont été régies. Elles sont sous vos yeux. Cette connaissance est cédée par l'aide de Dieu. Où seront 100 scènes de décès que vous aurez là. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 70. Feront troubler les monts par grande guerre. Voici la révélation. Les faits feront les heures de cette époque de honte. Vous aurez au sommet de la terre, c'est-à-dire le rond nord, des troubles contre le rouble.
Le rouble, c'est la signification de la Russie. Notre muse a trouvé cette façon pour faire comprendre que c'est la Russie. Ceux-là ont le blé. L'époque sera réelle, ce sera le relais laissé par ces usages d'expression. Seront par ces mots les mots du monde que vous aurez nettement dans tes thèses. Il faut séparer cet art, c'est-à-dire il faut classer les événements ensemble. Afin de gérer la grande année de guerre, la grande année de guerre, ce sera la guerre mondiale. J'ai eu les vers poétiques afin de refaire les heures du rond nord. Au sommet de la terre sera des troubles contre le rouble et sur le blé. L'heure des eaux est laissée dans ces mots. Elles seront les eaux du monde. Voici maintenant, cette fois la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers, voici la révélation. Ces notes rêvées viennent des vers poétiques, ce sera la volonté de voir la menace de la verge qui arrive aux heures du rejet des Andes, la fin. Du degré de danger, j'ai géré cette époque rare, obtenue de l'air des mots. Cette grande peine sera nette dans tes thèses, seront ces mots qui seront le modèle, le mode et la manière. Je laisse dans ces usages d'expression les heures réelles. Ce sera la lettre pour la terre. Des troubles sur le rouble, la Russie donc. Vous aurez la bête qui mettra la terre en terreur par des heures du rond nord, qui apporteront des ronces. Tu feras le revers de ce monde. Ce sera la verge à la période de l'année des Andes. Le degré de danger sera indiqué. La technique de harpe ne sera que peine. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 70. Captif, tout sexe, deux et tout Byzance. Voici la révélation. Savoir cela en ayant les aptitudes. Tu tisses tout haut cela en ayant par tes thèses cette connaissance aidée par l'aide de Dieu le divin. Tu as les notes du temps. Tout cela sera dans ces notes. À nous deux sera le bon sens des années qui naîtront. Savoir cela en ayant l'aptitude de tisser tout cela dans tes thèses. Cette connaissance est cédée par l'aide de Dieu. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les usages d'expression seront ça, le sens sera sensible. Seront les années ainsi, et savoir cibler le but. Les notes sur les eaux hautes. Le temps a tellement tué, ayez l'aide de Dieu sur ses excès. Tu as les notes en tête. Tous seront grillés, brûlés sans tarder. Il y aura les eaux, des os et des hosties. Tu tisses ici même les notes sur les pouvoirs infectés aux nombreux abcès et le savoir. Nous devons reconnaître que de nombreux gouvernements sont corrompus, malheureusement. Les usages d'expression dont le sens sera censé ici sera le but de ces notes. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 70, qu'on criera à l'aube terre à terre. Voici la révélation. Le cryptage sera la volonté de voir la menace en ayant l'encrié. De quoi écrire? Tu auras la connaissance des séries de l'air des mots sur les heures avec mes yeux d'hier. Vous verrez les eaux arriver à l'aube. La bête sera en été sur terre. Tu auras rapidement ses notes sur la durée de la vie. Les avoir rapidement pour la terre. Il faut prier, rechercher, réclamer le cryptage. Par l'écriture seront les séries de mes yeux d'hier, vous aurez les heures. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces heures, la terre sera heurtée. Ces heures seront rares. La terre s'arrêtera en été. Elle sera en terreur. En ces heures, les eaux arriveront à l'aube. Vous aurez des exclamations de dépit. Dieu est dans ses notes. En ayant de cet art des mots réécrit les séries, vous verrez la nudité de l'eau et nue. J'ai vécu les heures du grand heure de la terre et la voir en été s'arrêter. Les eaux arriveront à l'aube. Ce quatrain Nostradamus nous dit que la planète Terre va s'arrêter de tourner sur elle-même. Elle continuera à tourner autour du Soleil, mais elle ne tournera plus sur elle-même à cause justement du drame des Andes, où l'eau va se déverser dans le sens inverse de la rotation terrestre. Dans la lettre à Henri II, Nostradamus en parle déjà en disant « La Terre s'arrêtera et je ne suis pas certain qu'elle reprenne son cycle. » Moi, je vous dirais plutôt que je ne suis pas certain qu'elle reprenne le même cycle des jours de 24 heures et des mois de 30-31 jours. Au départ, si la Terre s'arrête pendant plusieurs semaines, elle restera
Elle tournera sur une faible rotation. Les journées dureront certainement entre 5 et 6 jours et les nuits pareilles. Nous aurons affaire à des nuits glaciales, par -30, -40 degrés. Et la journée, si les journées ont des durées de 70-90 heures, les sols seront brûlés par le soleil. Donc c'est à nous de prévoir, nous devons nous battre pour mettre des vivres de côté, faire des abris entièrement hermétiques au froid. De toute façon, Nostradamus ne plaisante pas en nous expliquant tous ces événements par son écriture cachée et secrète. Groupez-vous ensemble, prévoyez, préparez-vous. C'est le meilleur conseil que nous puissions vous donner. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous annonce ces événements. Ça fait plus de 6 mois que cette vidéo est prête. J'ai hésité longuement avant de la publier. Mais il semblerait que très peu de personnes écoutent. Très peu de personnes se préparent au grand chamboulement. Et pourtant, il faut éviter d'avoir peur et au contraire faire des choses en se regroupant. C'est très important. Je vous ai mis les analyses pour vous montrer que les mots sont vraiment écrits. Voici maintenant les analyses vous démontrant la présence des mots, pour bien vous faire comprendre que je ne fais pas erreur. Vous aurez 10 secondes à la fin de la vidéo pour arrêter la vidéo et constater la présence des mots. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ce quatrain 70 de la 5e centurie. Je vous remercie encore et à bientôt.